Non, Viens, là. tu vas me faire massage Je seulement, ne viens. peux pas. Viens. Mais je ne peux pas, mon mari. Je ne peux pas. Bonjour, propriétaire. Ah, oui, bonjour. Ça va? Ça va. Je veux payer le loyer. C'est quoi? Ton mari, il est en voyage. Pourtant, il envoie l'argent du loyer. C'est normal, non? C'est la moindre des choses. Mais j'avais quelque chose à te dire. Quoi? Ton mari, là, il a voyagé, fait déjà deux ans maintenant, non? Bientôt. Mais bientôt 2 ans. Mm-hmm. Et tu es sûr de lui, de ce qu'il fait là-bas? Oui, c'est mon mari, non? Les gens en France, là, quand ils voyagent, laissent leur femme ici. C'est pas aller faire n'importe quoi là-bas. Non, non, non. Mon mari n'est pas comme ça. La personne est ici, il traite avec les petites filles du quartier. Mais toi, tu lui fais confiance? Je lui fais confiance. Tu penses qu'il arrive là-bas, il va être fidèle à toi? Regarde, le loyer est là, tu peux garder ça. Mm. Moi, je suis là, je veux prendre soin de toi. Tout ce qu'il a laissé comme moi, je veux prendre soin de ça. Hein? Comment tu peux avoir tout ça là et que tu as un mari qui a voyagé? Je suis une femme mariée, monsieur. Comment une femme mariée? Regarde, c'est entre toi et moi. J'ai dit je ne veux pas. C'est quelle langue vous comprenez? J'ai dit que je ne veux pas. Ok, tout ça. Je vais prendre votre argent. Tu sais ce qu'on va faire? Et l'argent de loyer là, je vais te laisser ça. Quand ton mari envoie l'argent là, tu vas garder ça. Viens, viens, viens. Non, viens. Là. Tu vas me faire massage seulement. Je ne veux pas. Viens. Mais je ne veux pas, mon mari. Attends, je vois mal ou quoi? 2 ans que je vais faire à l'extérieur, tu te mets déjà dans cet état-là? Michel, c'est pas à toi, je parle. Qui t'a enceinté? Si je vous ai fait appel aujourd'hui, c'est parce que votre nièce que vous voyez là est enceinte de mon propriétaire. Hein? Je rentre du voyage, je la trouve dans cet état-là. Je lui demande qui l'a enceinte, elle me dit que c'est le propriétaire. Ok, je suis rentré dans le but de faire les papiers pour qu'on aille en Europe ensemble. Et elle ose me faire ça. Il faut la ramener chez vous. Je ne veux plus la voir chez moi. Dès qu'elle finit d'accoucher, vous ramenez l'enfant au propriétaire. Je ne veux plus te voir chez moi. J'en ai fini. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Comment toi aussi tu peux faire ça? Avec tout ce qu'il fait pour toi. Vraiment, tu me déçois quoi. Mon fils, ça va? Oui, bonjour. Bonjour. J'ai appris que tu as voyagé en tout temps. Tu es déjà de retour. Oui. Ok. Moi aussi, je veux rester un peu chez mon fils là. D'accord. Et là? C'est qui? C'est moi, mon fils. Ah, maman. Ah, mon fils. Maman, tu es venu? Je suis venu. Hein? Avec ça, que? Oui, je suis venue passer un peu de temps avec toi. Maman, rentre. C'est ta maison. Merci, mon fils. Hmm? La vieille mère. Oui, mon fils. Ah? Comment? C'est quoi? Non, tu as fait cheveux. Hein? Ah, c'est le locataire là qui m'a donné l'argent de mèche et puis m'a acheté un nouveau téléphone. Quel locataire? Celui qui est là, à côté là. La vieille. C'est quoi? La vieille. La vieille. C'est quoi? Tu es enceinte? Qui t'a enceinte, la vieille? Ah, mon fils. C'est un locataire. Qui? Quel locataire? Celui qui est à côté de moi là. Oui, c'est lui. Mais la vieille, toi aussi. Comment un jeune comme ça peut t'enceinte? Hein? Mais comment il peut enceinter ma mère? Hé, hey, hey, locataire! Locataire! C'est quoi? Pourquoi tu crées moi? Comment tu peux enceinter ma mère comme ça? Viens ici. Tu as quoi? Pourquoi tu enceinter ma mère? Ma mère t'a dit qu'elle a besoin de mèche, elle a besoin de téléphone. Et puis quoi? C'est ma femme, je lui offre ce que je veux. Ta femme? Oui,
Ma femme, désormais appelle-moi papa.